ça vole bien. Lancez le mannequin. Vas-y, pas. Parfait. C'est le retour! De retour sur YouTube! Avec, je suis en train de faire un nouveau local. Un nouveau local, tu veux venir voir tout de suite? Vas-y, on perd pas de temps, c'est 2024, on y va direct! Viens voir! J'ai commencé sans toi, t'étais censé m'aider déjà. Hein. J'ai mis le sol, j'ai peint le mur, j'ai mis ce fond de décor ici. Donc là, ça sera mon nouveau décor YouTube garage, ambiance garage voiture, atelier vélo, il y aura de tout. Donc j'ai commencé déjà à mettre les dalles ici. J'ai peint en noir. Avec ça, ça, regarde, ça c'est très beau ça. Ça c'est un espèce de bois, finition un peu rouillée, tu sais. Ça fait comme une porte de garage. Du coup, tout à l'heure j'ai eu l'idée, je me suis dit en fait, ça devait juste être un fond et on a l'impression, on n'a pas trop l'impression que c'est genre une porte que je vais ouvrir. Il y a peut-être un truc d'ailleurs, je t'ai pas caché mais regarde. Il y a peut-être un truc là, on va créer quelque chose, une porte secrète ici. Mais voilà, du coup, de retour sur YouTube avec cet endroit qui sera un espace où je pourrai présenter mes vélos, recevoir des invités, faire pas mal de trucs. Voilà, c'est le tout début, hein, les gars. Ouais, c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse. La lumière, Faut pas regarder derrière. Non, regarde pas. J'ai tout pris ce qui était là et j'ai fait. Là, il y aurait déjà de quoi faire une vidéo sur tous les trucs qui traînent ici. Hein. Après, là, j'ai des trucs pas mal en vrai. En fouillant tout ça, je me suis dit que ça pourrait servir de décor. Attends, on part juste avec ça parce que ça, ouais. Ça m'intéresse. Tout à l'heure, je t'ai ramené des trucs beaucoup mieux que ça. Ça, c'est des vieilles coupes que j'avais quand j'étais gamin. En fait, au bout d'un moment, mes parents, ils en avaient marre que j'ai trop de coupes. Du coup, on avait tout foutu dans le grenier. Je devais avoir au moins 5-6 caisses comme ça. Et du coup, bon, j'en ai redescendu histoire de faire un peu le décor. Là, il y a des ateliers, là, il y a des cadres de vélo, là, il y a pas mal de trucs. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc, revenons. L'idée de cette pièce, c'est de la couper en deux. Ici, donc c'est pour ça que je viens de récupérer du bois. On va peindre ça ensemble, ça va être ton boulot. On va peindre tout ce bois là et on va le mettre derrière l'établi ici. Si je cache là déjà, ça te donnera une petite idée, regarde. Hop. Tu me vois plus? Ouais. Ça, c'est pas mal ou pas? Ouais, reste comme ça, nickel, vas-y. Bouge pas. Parfait. Oh. Oh putain. Pas mal le mur. Oh, Stéphane Plaza est parmi nous là. Voilà, ça sera à faire tout à l'heure. Donc voilà, bon, on attaque les travaux. On parle des projets, on parle de quoi. T'avais pas dit un truc? Dis-moi. Moi, je dois aller faire quelque chose. Dis-moi. Ouais, je dois aller faire quelque chose, malheureusement. Je te laisse faire tout seul. À tout à l'heure. Ok. Non, vas-y, déjà, première étape, viens, on vide tout pour avoir de la place. Et après, on se met à la peinture, ok? Vas-y, let's go. Allez, let's go. Keep my right. One eternity later. Je vais foutre ça là-bas. Un mur de plus. Ça, les housses de vélo. Voilà. Ça, c'est extra wood up. Si on veut le mettre quelque part, il me reste encore un bâton, tu vois. Attends, mais là, tu viens de dévoiler aux abonnés que c'est plus une porte de garage. Bah, on sait pas, il y a un truc derrière. Par contre, c'est l'occasion de vous présenter le produit et vraiment de remercier les copains de chez Wood Up. Ça, c'est la marque, ça s'appelle Wood Up. Et ils m'ont envoyé ces panneaux et c'est très stylé. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et j'espère aussi, tu vois, là, c'est première vidéo, on va dire. Mais j'espère qu'on va pouvoir amener des partenaires et faire genre the best garage, tu vois. Genre un truc de dingue, tu vois, si on arrive à récupérer des lumières, un établi. Alors là, ce serait mon kiff. Mais bon, pour l'instant, on reprend les vidéos tranquillou, hein. Donc, ça, là, hop. Ça, c'est pour toi, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un mannequin gonflable. C'est où qu'on le gonfle? Pourquoi t'as jeté ça, surtout? Je t'avais dit qu'on retrouverait des trucs intéressants dans ce local. Ouais, bah, c'est pas très intéressant. Fin concours. Je crois qu'on est parti pour le premier qui a gonflé son bonhomme. Présentons l'équipe pendant qu'on y est. Nouvelle saison, nouveau caméraman. Kerwan est dans la place, c'est donc lui qui sera officiellement derrière la caméra toute cette saison et qui fera les montages. Donc si ça vous plaît pas, bah, c'est avec lui. Allez, let's go, le premier qui gonfle son mannequin. Faut manger des sels. T'as pas une pompe? Ah ouais, c'est vrai que une pompe à vélo, ça aurait été bien là. Tout ça pour me faire perdre du temps. C'est de la triche, les gars, ils m'ont donné un faux mannequin qui est troué. En fait, j'aurais dû garder celui-là du coup. Je suis sans mauvais stratège. Gagné! Ouais, gagné! Et voilà! Bah, si, il est juste un peu maigri, mais t'inquiète. Juste ici, un trou. Je crois que ça vole bien ça. Lancer de mannequin. Viens, on leur donne deux noms. Vous pouvez donner un nom. Donc là, lui, c'est un peu celui qui se dégonfle. Hein. Mm-hmm. Et là, c'est le beau gosse ici.
Regardez, attendez, attendez, encore mieux, regardez. J'ai ramené pas mal d'éléments. Pour la déco, j'ai ramené toutes mes médailles. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, championnat d'Iran. Et incroyable, si vous vous souvenez même plus que j'étais allé en Iran. Championnat de France, championnat du monde, championnat Nord-Amérique, demi-Colorado. Ça, c'était le Québec. Tu veux quelle médaille pour ton bonhomme? Mon bonhomme? Il est champion du monde, le tien, moi. Attends, parce que j'en ai d'autres, des médailles. Encore? Ah, j'ai gagné quelques compètes dans ma carrière. Celle-là, c'est la vraie médaille de champion du monde. Lui, il s'est cassé la gueule, du coup, il sera pas champion du monde. Mais... Attends, mais je sais ce qu'on va faire. Attends, 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 j'ai encore mieux. En fait, la vidéo, c'est pas. J'ai encore mieux. Je fais mon studio, c'est. T'es en train d'habiller un mannequin. Oui, ouais. Il m'a pris que. Le maillot. Ouais, ouais. Bien sûr que ça se vend très cher, c'est pas du vrai or. Hein. Ah ouais, elle a la classe. Franchement, mais... franchement, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça. Content de les avoir retrouvés. Bon, par contre, faudrait que tu me rendes la médaille du coup là. Non, non, mais c'est lui, il a pas s'échapper avec sa médaille. Lui, ça sera genre notre crash test, tu vois. C'est lui qu'on enverra au charbon, ce sera lui. On sait qu'il est déjà mort. Putain, il a des épaules bien droites, hein. Et les carrés, hein. On lui mettra un pantalon. Bon, allez, peinture. Ouais, j'ai commencé là, tu vois. Ouais, ça mais quand tu mets les dalles par-dessus, ça va. Mais là, vu qu'on n'est pas censé mettre des dalles, on va trouver du carton peut-être. Oh, allez. Ah. Allez, hop. On est juste en train de remonter les cartons des dalles, de pas descendre. Ouais, je les ai descendus pour faire du vide tout à l'heure en fait. Hop là. On va touiller un peu. Touille, touille. Touille. Touille la soupe. Allez, touille. Allez, touille, plus vite. Et il faudrait l'engin là, tu sais qu'ils ont dans les chantiers là, ça fait. Si tu mets ça sur une perceuse là. Allez, let's go. J'attaque. Vas-y, let's go. Oh, j'y vais comme ça, comme un cochon, hein. J'y vais même pas dans un bac. S'il y avait un peintre là qui me voyait. Bon alors les gens, ils doivent déjà commenter. Pour les deux personnages là-bas. Mais ce qu'on va surtout demander dans cette vidéo, vu que c'est le retour sur YouTube, c'est de savoir ce qu'ils veulent comme vidéo. Voilà, effectivement, si j'avais coupé YouTube, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'en fait, bon, il y en a plusieurs. La première, c'est que j'ai eu deux enfants et que faire toutes les vidéos YouTube, c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a 4 ans et un petit qui vient d'avoir 2 ans. Moi, ce que je voulais, j'ai arrêté les vidéos YouTube parce que ça me faisait trop de déplacements, d'aller partir à l'autre bout de la France pour aller faire des défis vélo et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur YouTube avec des formats plus simples. Alors, j'aimerais bien, dans un premier temps, déjà recevoir des invités dans ce local. Et après, voilà, il faut trouver des concepts. Donc, l'idée, c'est aussi pouvoir faire des shootings photos, plein de trucs là-dedans. Donc, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à les proposer. Franchement, si vous avez vu des concepts ou des idées de vidéos qui sont cool que je pourrais faire, bah voilà, le but, c'est ça aussi. Donc, bah, déjà, il y aura une partie des vidéos aménagement de ce beau garage. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme concept ? Serait d'aller voir justement les garages, pas mal ça, voir les garages, alors soit des abonnés, soit de riders pro, enfin des trucs genre what the fuck quoi, le plus beau garage, comme ça on prend des concepts. Alors, en vrai des youtubeurs Pog, GMK, machin, ils doivent avoir des garages mon gars de dingue. Tu vois même des sportifs, j'aimerais trop aller voir genre Sébastien Loeb ou des gars même qui font du vélo, c'est des mecs qui communiquent pas trop, qui font du vélo, mais ça se trouve ils ont des vélos, des garages de fou. Et de 1, voit des petits trous là ou pas là. Parce que des fois tu vois des trucs pas très beaux, tu vois, là dans mon mur. Il y a plein de trous blancs là. Après je peux les... En vrai c'est pas simple avec le rouleau d'aller là-dedans. Là peindre tous les petits trous blancs là. Oh la galère. En vrai c'est rouillé ça donc c'est pas grave. Si ouais voilà, ça fait un peu un truc destroy. Ce serait pas mal en vrai d'avoir des tags, un tagger qui vienne ici là. Faire comme un esprit un peu, tu connais Garage West Coast Custom là. Il y avait plein de tags et tout comme ça. En vrai s'il y avait un tagger qui pourrait venir, ça serait stylé. Il y a beaucoup de gens qui doivent venir ici. Ah oui, c'était mon prochain truc donc des invités qui peuvent venir ici. Bah, parler de leur vie, parler de plein de trucs, des gens, tu sais, un peu en mode podcast et tout, ça pourrait être stylé. Voilà, des invités que vous souhaitez, des idées, des youtubeurs ou pas, d'ailleurs des sportifs, des gens qui ont des choses à raconter, bah n'hésitez pas à proposer. Et puis après, bah, j'aimerais bien toucher un peu d'autres univers, tu sais, un peu autre que le vélo, genre la moto, la voiture. Vous verrez bientôt, hein, y a un nouvel engin qui est juste en dessous là. On va tester bientôt, qui n'est pas un vélo. Mais donc il y aura un peu des concepts comme ça, tester d'autres engins que le vélo. Dans ma tête, j'ai un truc que j'aimerais trop faire, c'est... J'aimerais, parce que maintenant, c'est vrai que je fais pas que du trial, je fais du cross-country, de la route, de la descente, du truc. J'aimerais pouvoir faire en une année chaque discipline un gros événement. L'étape du tour en vélo de route, genre l'avalanche en vélo de descente, une DH urbaine, une course de cross comme la Titan Désert. Si j'arrive à faire tout ça en un an, ce serait incroyable. En tout cas, pouvoir enchaîner un maximum d'événements qui ont rien à voir dans chaque discipline, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le font, tu vois. Je m'emballe dans mes projets un peu ou pas là. Ça fait beaucoup de choses là. Moi qui suis en train de retaper un garage. On aura des choses à faire. Ah, il y a des choses à faire. Hein. Après, c'est aussi les gens hein, qui choisissent. Hein. Moi, je balance plein d'idées et après, je vois ce qui intéresse le plus, tu vois. Il y a des choses, des fois, moi, j'ai envie de faire et puis les gens, ils disent, ouais, c'est complètement nul, ça sert à rien de le filmer, fais-le pour toi, mais pas pour les autres, tu vois. Ils me disent, ouais, je te suivais au début et puis je te suis encore, c'est cool, ça évolue.
Je pense que quand t'as voilà, 25-30 ans, t'as plus envie de voir les conneries que je faisais au tout début de YouTube. Hein. On va éviter de pourrir les dalles pour commencer. Hop. Putain, on commence déjà à avoir du fou partir. Hop. Par contre, t'es là, tu vois, pour pas. Le plafond. Peindre le plafond. Ça t'est pas une bonne idée avec le scotch là. T'as du scotch? Non. J'en ai pas non plus. Et bah, tu vois, en vrai, c'est ce que j'ai fait là, hein. Ça se voit pas trop, mais. Non, non, ça se voit pas trop, t'inquiète. En vrai, c'est stylé, ça fait comme là-bas en fait. On va juste continuer ce que t'as déjà fait là-bas. Bah ouais, c'est pareil. Ouais. Surtout quand ça va fermer, je pense, on va vraiment se rendre compte de ce que ça va donner, quoi. Ouais. Là, ça va vraiment être carré. Je sais pas si t'as vu aussi le garage, mon père son âme de Ken Block. Mmh. Je crois que je te l'avais montré. Ouais, il est monstrueux. Il est magnifique. Hein. Enfin, j'ai envie de m'en inspirer. Bon, alors lui, c'est un hangar de 3000 mètres carrés, mais franchement, il a des bonnes idées. Et il avait fait un truc. Là, je vais peut-être le faire. Il avait fait un mur des épaves, entre guillemets, où il avait mis genre comme un. Attends, ça coule. Olé. Comme un grillage avec un néon derrière et toutes les pièces qu'il a fracassées dans sa saison, il les a accrochées. T'as genre un capot, des plaquettes de frein, des disques, des machins. J'ai trouvé ça trop stylé l'idée. Peut-être pas mal, non? Ça peut être très stylé. Je crois que j'ai un petit pinceau là. Ça va? Ouais, c'est pas mal, ouais. Bah tiens, vu que tu l'as dans la main, si tu veux le faire. Vraiment? Vas-y, puisque tu l'as, hésite pas. Fais-toi plaisir. Ouais. Je peux même te filmer, regarde. Si t'as besoin. T'étais vraiment pas obligé. Non, par contre, on a eu l'idée tout à l'heure, c'est on voulait faire genre là ou enfin n'importe où. Tu sais, je voulais mettre mes sponsors de vélo et genre des plaques soit gravées, soit découpées laser et effet un peu rouillé. Tu sais, on les fait rouiller à la pluie et après on grave les sponsors dessus. Franchement, ça pourrait être pas mal. Donc, du coup, on a ça à trouver aussi. Un mec qui fait de la gravure laser. Fini. Il nous reste une demi-heure. Une demi-heure parce qu'après, je dois aller chercher les enfants à la crèche. Donc, je suis pas sûr qu'on ait le temps de monter le mur. Mais en tout cas, si on termine ça déjà pour cette première journée, ce sera plutôt pas mal. Dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a dit quand même pas mal de choses déjà. On a dit pas mal de choses. On a annoncé. On garde un peu de suspense ou pas? On va garder la surprise pour les abonnés quand même. Et puis voilà, après, si vous voulez donner un coup de main, franchement, sur Grenoble, vous êtes les bienvenus à nous aider à monter ce studio. Sur ce, les gars, bah, pensez à vous abonner, à liker, comme ça, bah, ça aide l'algorithme à revenir un petit peu sur YouTube. Ciao, les gars!